dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Cédric et Arnaud complotent contre Anne, Marc poursuit son enquête sur les punaises de lit. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 mai dans Ainsi Grand Soleil. Cédric et Arnaud complotent contre Anne. L'ambiance est particulièrement tendue entre Claire et Florent. En effet, l'infirmière a du mal à comprendre pourquoi son compagnon doit retourner au commissariat alors qu'il y était déjà hier. Bien qu'il aurait préféré passer le week-end en famille, Florent n'a malheureusement pas le choix. Il faut dire que l'avocat ne se voit pas laisser Anne seule avec tout ce qu'elle traverse en ce moment. Seulement, Claire avait envisagé de profiter de ce week-end pour qu'ils puissent se retrouver. Mal à l'aise, Florent promet de se rattraper. Au commissariat, Manu a convoqué Hugo dans son bureau au sujet du rapport d'autopsie de Philippe Aguera car il aimerait savoir si en cas de faiblesse cardiaque, l'asphyxie provoque automatiquement un arrêt du cœur. Si techniquement la mort de Philippe paraît accidentelle, elle n'est pourtant pas liée au hasard. En effet, tout porte à croire que les agresseurs connaissaient l'état de santé de Philippe et qu'ils étaient sûrs de provoquer un arrêt cardiaque en utilisant du chloroforme. Dans la foulée, Manu annonce à Anne que sa garde à vue est levée et qu'elle va être déférée devant la juge. Pendant ce temps, Thaïs appelle Arnaud et l'invite à passer la soirée à la plage avec ses amis. Comme il a déjà prévu quelque chose avec Cédric, Arnaud demande s'il peut l'emmener. Gênée, la jeune femme lui fait comprendre qu'elle ne préfère pas. En effet, Thaïs n'est pas très à l'aise en sa présence et quelque chose chez lui la dérange. Compréhensif, Arnaud lui souhaite une bonne soirée. Au tribunal, la juge Alphand estime avoir des éléments suffisamment accablants pour mettre Anne en examen pour homicide volontaire avec préméditation. C'est pourquoi, elle va solliciter son placement en détention provisoire. De retour au cabinet, Florent annonce la mauvaise nouvelle à Johanna. Dans la mesure où il craint que sa cliente ne tienne pas le coup en prison, Johanna souligne qu'il a fait ce qu'il pouvait. Seulement, l'avocat a l'impression d'avoir abandonné son ami. Johanna tente donc de lui faire comprendre qu'il est très impliqué dans cette affaire et qu'il en fait un peu trop. Selon elle, il se fait manipuler par Anne depuis le début mais Florent n'y croit pas du tout. Au commissariat, le capitaine Léonie réinterroge Laurent Bourdet qui finit par lui dire que c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années prénommé Sylvain qu'il a rencardé sur le coffre-fort de Philippe. La nuit tombée, Arnaud explique à Cédric que Thaïs se méfie de lui. Il le prie donc de faire un effort pour leur éviter de se faire griller. Par la suite, Arnaud lui annonce qu'Anne est en prison. Et d'ajouter que tout se passait exactement comme prévu. Marc poursuit son enquête sur les punaises de lit bien que son ego d'auteur ait été abîmé par sa rédactrice en chef, Marc rencontre Monsieur Brochard et lui demande de lui montrer son appartement. Seulement, ce dernier refuse car son domicile a été entièrement désinfecté. Marc appelle ensuite Johanna pour savoir si Monsieur Brochard a fourni une facture de désinfection de l'appartement. Après le lui avoir confirmé, Johanna la lui envoie par mail. Le journaliste constate alors rapidement que la somme est très élevée et que cela ne correspond pas du tout au prix du marché. Non loin de là, Monsieur Brochard se rend au cabinet de Maître Levar et lui apprend qu'un journaliste est venu chez lui pour l'interroger. Bien qu'il ne trouve pas cela très étonnant, l'avocat lui fait comprendre que la seule façon de calmer le jeu est de cesser les enchères.
Monsieur Brochard décide donc d'accepter l'offre de l'hôpital. Au midi libre, Marc a découvert que Monsieur Brochard est l'actionnaire d'une SCI qui détient un immeuble à Montpellier. Sur place, il interroge plus tard l'un des locataires qui raconte que l'immeuble a été infesté par les punaises de lit pendant des mois. Si le propriétaire avait d'abord refusé de faire quoi que ce soit, il a finalement fait désinfecter le bâtiment la semaine dernière. Marc comprend alors pourquoi la facture de désinfection de Monsieur Brochard était si élevée.